Quelle maison? Où est-ce que présentement Abigail? Qu'elle quitte la maison. C'est la maison de qui? De mon fils, mon premier fils. La maison de ton premier fils. Oui, qu'elle quitte la maison. 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 Et pourquoi? Et pourquoi? J'ai gardé la maison. Tu as gardé sa maison. Elle ne va pas se marier. Tu as gâté son argent. Oui. Elle a quel moyen pour aller te prendre une maison? Elle a quel moyen maintenant pour aller prendre une maison? Elle a qu'à prier. Elle a qu'à prier. Elle ah, tu crois la prière? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Où est-ce que tu as caché sa vie? Elle sa vie. Où tu as caché sa vie? Sa vie n'est nulle part. Je vous dis qu'elle quitte la maison. Mais où tu as caché sa vie? C'est dans la maison, dans ma chambre. Dans ma chambre. Dans ma chambre. Dans une canarie, c'est ça? Non, si, si. Sous le lit. Oui, mais dans une canarie. C'est ça? Sous le lit, dans un canari, c'est ça? Et tu enfuis ça? C'est ça? Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas voir. Mais je te parle en tant qu'homme spirituel. Tu as pris sa vie. Et tu as caché ça dans un canari, sous le lit. Et tu vas la libérer maintenant. Tu m'entends? Lâche. Quitte ce corps. Fais! Bonjour. Fais! Bonjour. Fais! Bonjour. Lâche ça. Que vous? Lâche totalement sa vie. Que vous? Lâche. Que vous? Tu libères son mariage. Que vous? On y est. Redonne-moi sa chance. Tiens, mon ami. Ouais. Quitte son corps. Oui, mon ami. Maintenant, quitte son corps. Oui, mon ami. Quitte son corps. Oui, mon ami. Quitte son corps. Oui, mon ami. Va. Réveille. Va. Réveille. Va-t'en. Réveille. Va-t'en. Réveille. Va-t'en. Réveille. Quitte. Réveille. Fais sur toi. Fais. 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 Je brise le canari au nom de Jésus. Je brise le canari. Je brise le canari. Et je libère son art. La restitution s'est faite maintenant. Quelque chose en train de se passer dans le spirituel. Pendant que c'est là couché, tout va revenir. Sa chambre, son mariage. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Satan est très dangereux et mauvais. Débrouillez avec la puissance de Dieu qui délivre. Faites-moi lire cette phrase. Voilà.
Venez ici. Ils l'ont programmé pour le mois de septembre. Mais comment est-ce que tu es? Je refuse, c'est presque le 4 septembre. Je refuse. Lâchez-la. Adjoko. C'est un ordre. Et la bouche ici. Vous allez la lâcher. Adjoko. Libérez-la. Adjoko. Libérez-la. Adjoko. Libérez son âme. Adjoko. Au nom de Jésus. Libérez son âme. Adjoko. Dans le nom de Jésus. Je proclame. Maintenant même. Sa délivrance. Je libère son âme. Adjoko. Au nom de Jésus. Libérez. Au nom de Jésus. Ignorez. Je serai obligé de partir tout à l'heure de 6h30 parce qu'aujourd'hui c'est une journée marathon. À partir de 9h, 10h, je vais commencer à recevoir tout parce que si je reste jusqu'à 6h, 8h, 9h, je ne pourrai pas vous recevoir. Je serai obligé de dormir et ça va partir l'après-midi. Je préfère arrêter un peu, je vais laisser les autres diriger. Mais à partir de 10h, je vais commencer à recevoir les personnes parce qu'à Divo, à partir de 20h, on aura encore. C'est ce qu'on appelle le culte de samedi, le culte de délivrance. Ce soir, à partir de 16h, nous aurons les séances de baptême. Les baptêmes à Vigo. Donc, je suis obligé de stopper. Sinon, si je continue dans ce rythme-là, ça prendra fin jusqu'à 8h et 9h, 10h. Quand c'est comme ça, ça occupe tout notre temps. Donc, je suis obligé tout à l'heure d'arrêter. Amen. Pour qu'on puisse vous recevoir, ce qui est moi, j'ai le temps de vous recevoir et de prier pour vous. Madame, je vais délivrer et dire amen. Amen. Ce soir, je vais vous donner un grand message très fort sur la résurrection de Jésus-Christ. Le diable doit te restituer ce qui t'a volé. Amen. J'ai fait une erreur de prendre Jésus et de le mettre dans un tombeau. Amen. J'ai fait une erreur. La terre ne pouvait pas retenir Jésus. Parce que c'est lui le maître de toutes choses. Étant le maître de toutes choses, c'est que les sorciers t'ont volé. Nous respecterons ça au nom de Jésus. Amen. Dis amen. Ils vont te restituer ta chance. Ils vont te restituer ton mariage. Ils te restitueront ta bénédiction. Au nom de Jésus. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons Dieu puissant. Il peut encore te délivrer. C'est parce que Jésus est puissant. Le petit sorcier ne dit rien. C'est pas une question de grâce. J'ai cru un Dieu fort et puissant. Amen. J'ai dit si Jésus n'était pas puissant, j'allais même pas le servir. Moi, là, je prenais les choses. Et je cherchais à savoir si Jésus-Christ pouvait me guérir et me délivrer. Est-ce qu'il pouvait moi me guérir et me délivrer? C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Jésus est puissant. Amen. C'est à cause de toi que Jésus est monté à la croix. Et la dernière phrase de Jésus, tout est accompli. L'accomplissement de ta délivrance, l'accomplissement de ta bénédiction à la croix. Satan le sait. Let's
sens très bien que Jésus t'a délivré. Amen. Nous allons dire aux démons, nous allons dire à ces sorciers très doux, de te restituer ta malédiction, de te restituer tes chances. Amen. Sauf cela avec Jésus, tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à la réussite. Dis amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu l'échec. Jésus a vaincu la maladie. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer, frère? Viens, crois ta délivrance. Crois ta délivrance. Alléluia. Quelle est l'incroyable délivrance? C'est pas une question de crasseur. Or, la Bible dit que tous, amen, amen, tout ce que tu demandes par toi, crois que tu l'as reçu. Amen. Et tu verras cela s'accomplir. Tout ce que tu demandes par la foi. Amen. Par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà vaincu la pauvreté. Jésus a déjà vaincu la sorcellerie. Amen. Quand tu es en Jésus, aucun sorcier ne peut te détruire. Et jamais. Allez, amen. Alléluia. Jamais. Allez, il n'y a pas un sorcier qui peut détruire un véritable enfant de Dieu. Allez. Demandez dans ce village, ils vous diront, vous rendrez le témoignage. Ceci est dit aux gens. Mais il y a quoi? Une église dans un village, c'est l'ambassade de Dieu. Une église dans un village, c'est l'ambassade de Dieu. Or, c'est Dieu qui a le dernier mot. Les gens mouraient dans ce village. Les sorciers viennent, ils prennent les gens, ils les marchent. Ils font sans arachis. Ils font du char. Ils font sans tuer. Sans ce mal-là. Il y a les gens là-haut. Tu vois, c'est festé, Rigra. Rigra, jeune, Rigra, amen. Le jour où l'ambassade de Dieu est entrée dans ce monde-là, nous avons dit stop à la société. Stop à la société. Stop à la société. Stop à la société. Tout ce qui est lié sur cette terre sera lié dans les cieux. Je m'en fiche, tu ne crois pas qu'il soit dans le Seigneur. C'est ce qu'il a dit aux gens. Je m'en fous de vos critiques. Mais moi, j'ai arrêté la mort ici à Zaroko. J'ai arrêté la mort à Zaroko. C'est ce qui est vrai. Maintenant, c'est sorcier qui meurt. Mais je suis en changé de camp. Oui, parce que l'homme a droit à la vie. L'homme a droit à la vie. Toutefois que j'aurai le sou de vie, moi je combattrai la sorcellerie. L'homme est sacré. On ne doit pas s'amuser avec l'être humain. Or, c'est l'être sacré que les sorciers cherchent à détruire. Or, nous sommes l'ambassade de Dieu. Je suis l'ambassadeur de Dieu. C'est moi qui dois arrêter Satan. Satan, c'est un comédien. Les sorciers sont. Ils sont tous au bas ici dans ce village. Ils vont laisser nos jeunes gens devenir des cadres. Nous allons développer ça dans notre jamais. Le matin sera le matin délivré. Nous serons une génération puissante. Une génération qui dans la foi, dans la vie est basée sur le Seigneur. Pour développer tous les bâtards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui vient me dire, oui, prophète, depuis que tu es dans cette région, oui, on ne vit plus la mort. Si avant, c'était les réservations de mort. La mort est remplie. De toute façon, tu manges poisson, thon et garbage. Pour ça, sorcier mange. Plus tu manges, plus on les amène la mort.
Et depuis que nous sommes entrés dans ce village, je n'ai pas assisté au funérail d'un jeune. Ça fait deux ans que je suis dans ce village. J'assiste à la mort des sorciers. C'est vrai que la mort des gens fait mal parce que c'est pas très bien. Mais la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que Jésus protège. Que moi je crois en lui. Un monsieur est mort ici, un sorcier. On m'amène, on dit, comment on fait? C'est où chercher ma bouche? Le monsieur lui-même dit, s'il va pratiquer la sorcellerie, il n'a pas s'enfler. Il s'enfler. On lui a demandé, lui, oui. S'il meurt, pourquoi pas qu'on le mette dans un cercueil? Pourquoi pas rentrer ses funérailles? Et vous me demandez, vous me cherchez par là ou bien? Je l'ai appelé ici, tu as demandé, il dit non, il dit bonjour. Je l'ai envoyé à Divo. Pour laisser son sourire, il ne va pas parler. Il est mort. Oh, vous. Pourquoi vous aimez la sorcellerie? J'ai les 7 sorciers que moi j'entretiens, je jette. Est-ce qu'ils ont décidé d'abandonner la sorcellerie? Mais quelqu'un qui vient pratiquer la sorcellerie, il va mourir. On ne détruit pas Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu, c'est pas un comédien. Vous aimez les âmes qui mourent? C'est ce qu'il dit aux gens, vous aimez les gens. C'est parce que j'aime les âmes que je suis ici dans ce monde. Vous aimez vos parents que moi? Vous n'êtes pas des moutons pour qu'on vous mange? Quelqu'un m'a s'est demandé parce qu'il a fait la démarche. Il a fait des manger pour qu'il te mange. C'est pas ton ventre. Allez demander à Fousséni au marché, il va bien. Un kilo, ça fait 2000. Il ne fait même pas cher. C'est vous qui venez manger? D'autres même envoient les textos, m'insultent. Après, à cause de toi, on ne peut plus enterrer nos parents. J'ai dit, vos parents sont chers. Il faut préciser très bien. Je ne suis pas là pour diviser. Ici, vous investissez dans les funérailles. 1 million. 2 millions. Funérailles. Cet argent-là, vous pouvez prendre ça pour aider vos enfants. 4 millions. Vous laissez vos enfants, vous avez les funérailles où vous avez. Quel enfant a un problème? Ça vous dit rien. On a envoyé de l'école, ça vous dit rien. Et quand c'est funéraire, vous partez vous endetter. C'est quelle mentalité ça? Amen. Il y a plus de 30 enfants qui sont chassés de l'école ici. J'étais moi-même obligé d'envoyer l'argent chez le chef pour scolariser les 30 élèves. Il dit, amenez-les à l'école sur les 4 de demain. Mais quand quelqu'un meurt, je vous ai réveillé. Quand vous avez été, c'est cette mentalité qui doit changer chez nous les Africains. Ça nous met en retard. Le monsieur qui est mort, je même plus que vous. Comment vous? Quelqu'un qui a tué 350 personnes, il mérite la prison. Quand il dit j'ai tué 350 personnes, il mérite la prison. Vous savez pas qu'on dit que les affaires j'ai tué, tu mérites la prison, tué. Quand après les affaires j'ai dit non, puisqu'il a décidé d'abandonner la sorcellerie. C'est pas ça au sang du tueur. Il a levé les mains le jour, je refusais. Ok, son corps, il y a un peu. Non, à cause de lui, on ne fait plus les funérailles. Les funérailles de sorciers. Après, il pouvait nous voir ça. On nous l'a fait. Vous ne pouvez pas me vaincre. Alors, il n'y a qu'à me faire nous. Parce que je suis dans la vérité. Qu'un sorcier tombe, le royaume des cieux se réjouit. Non, mais t'as qu'à faire. Qu'un sorcier tombe, le royaume des cieux est dans la gloire. Non, mais t'as qu'à faire. Amen. Amen. La vie a commencé à entrer dans le village. Le pouvoir, la peur a commencé à disparaître. Non, non, on est dit. On a vu les sorciers tomber ici. Vous me rappelez? Lui va y prendre son fils, veut le manger. On veut le faire. Il a eu un ventre, André. Oh, ventre.
Pour le 16 et 18 mois, j'ai dit, lève-moi deux fois. Il est mort, il est battu en Mauritanie. Vous savez, c'est un système. Le diable avait mis un système en place. Nous avons déprogrammé la chose. Le jour où je suis rentré ici à Zaroukou, devant toute cette population, si cette côte ici, j'ai parlé, j'ai dit plus jamais quelqu'un doit mourir d'une mort mystique. Si on meurt, que ce soit une mort spirituelle, une mort naturelle. Et j'ai condamné la mort. Et j'ai changé les données. À partir d'aujourd'hui, c'est la sorcière qui va mourir. Amen. C'est la sorcière qui va mourir. Amen. Depuis qu'il est venu, oui. Ils vont mourir. Amen. Ils sont là, ils regardent. Le jour où je tombe manger, c'est fini. Parce que l'ambassade est là pour délivrer la visa. Alléluia. Oui, laissez les jeunes gens vivre. Laisse là. C'est moi qui délivre. Laisse. Ok. Laissez les gens vivre leur vie. Si vous voulez critiquer le prophète Grasso, avant Grasso et pendant Grasso, je suis là. Amen. Amen. Quand on est tombé, moi, amen, il y a les textos anonymes, les gens, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis content parce que c'est moi. Vous m'avez oublié. Et moi. Vous ne savez pas que l'homme est sacré. C'est bon Dieu. Amen. L'être humain est sacré. Quoi, on ne joue pas l'être humain. Vous êtes complice des sorciers. Vous ne savez pas qui est vous là. C'est vrai que vous avez un groupe, c'est votre papa. Mais votre vrai propriétaire, c'est Dieu. On ne joue pas Dieu. Quand une église est quelque part, elle doit être délivrée. L'église, ce n'est pas une patte mûre. On est qui dit mon allée. Alléluia, l'assemblée. Non, alléluia, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans une nation. C'est bien. Amen. Or, là où il y a l'ambassade de Dieu, certaines choses doivent s'arrêter. Oui, il y a un petit. Depuis que nous sommes dans ce village, voici le château d'eau. Il y a un yobé. Voici le château d'eau. Deux fois c'est écarté dans notre village. Ce sont les dieux à visiter un village. Babadé. Moi, vous savez que Dieu est à l'œuvre. Je m'en fous de vos critiques. Ne vous pas que je là. Le sorcier ne va pas manger. Dieu a entendu un jour vos prières. Et nous sommes en prière en 2013. Nous allons faire la sorcellerie. C'est pas amusement. J'aurais dit s'ils ont fait local béni. Je leur montre où on va bien. Ils n'ont pas fait un bon. Ils ont mangé. On les appelle les mangeurs d'arbres. Ouais, je vais leur montrer mon bon viande. Et pas fait un bon. Oh, celui qui me combat, c'est qu'il est sorcier. On va plus vous manger. Ouais, au nom de Jésus. Amen. On ne pourra plus vous manger. Les choses ont changé. Oui, ok. Je lui ai dit, laisse ta fille, il dit, il va être guéri. Ah, tu veux être guéri. Je ne cherche pas que la guérison ça se fait. Amen. Il n'a pas voulu, Dieu l'a châtié. On a un mot, on ne s'amuse pas avec lui. C'est vous qui êtes peut-être incrédule. Ah, il ne va pas. Sinon, Dieu a l'œuvre dans ce livre. Il a convaincu et qu'on a levé. Dieu est pleinement à l'œuvre ici. En combien de temps? Les choses. Oui, les choses. Le développement entre. Je me suis rentré, j'ai parlé. Et oui, il ne pas. À Dinoco. Je vous ai dit ici. Pendant que ma présence m'a fait du Dieu. Vous avez vu des ministres, vous avez vu des grands cadres. Vous pouvez rester comme ça. Je suis un spirituel. Vous cherchez les paroles.
Son téléphone. Wallonie. La voiture. Oh, la route précède le début. Oh, il dit mal, vous comprenez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous, nous luttons pour votre bien-être. Vous n'êtes plus que vous avez peur de venir au village. C'est le combat que nous menons d'ailleurs. Nous avons tous nos origines. Oh, Dieu vous a béni. Dieu vous a béni, vous avez dit non. Amen. Nous avons dit à beaucoup de choses. Alléluia. Jouez ça. Nous avons changé d'éternité. Celui qui viole cette loi, on a parlé. L'ambassade signe le visa de la tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez droit à la vie. Jésus, c'est la vie. Jésus est le chemin, la vie. Amen. Je ne suis ni contre vous. Je suis contre la pratique de la sorcellerie. Amen. Je ne veux pas que vous mouriez inutilement. Quelqu'un vous dit de manger, il vous prend, il vous mange. Il va y faire le marché. Il peut acheter tomates. Aubergines. Souvent même c'est braise dans la braise. Ça c'est vite. Avec activité. Il braise vite. Parce qu'il a envie de manger. Tu as fait quoi? Je l'ai mangé. C'est choquant. Il dit maintenant, j'ai mangé mon fils. J'ai mangé ma vie. Toi tu dois protéger ton fils. Ta vie. Amen. Amen. Attention, dis à quelqu'un attention. Ici à Zaroko, on ne mange pas long. Zaroko, il est con. Vous parlez pas bien? Sauf là que j'ai fait mon cri. Amen. C'est ça, là où il y a Dieu, la mort. La place à la vie. Amen. Ceux qui veulent l'écrire, tu peux leur remettre l'écrire. On a déjà fini l'écrire. Il a voulu que l'écrire soit fait ici à Zaroko. C'est prêt depuis le jeudi. Ça passe sur l'antenne de la télévision ivoirienne. Parce que c'est la vie. Les gens veulent peur avant de venir à Zaroko. Amen. C'est la vie. Celui qui me combat, on a beau, c'est qu'il est sorcier. On a beaucoup comme le cas d'abord. Avant de parler mal de quelqu'un, il faut chercher à bas ses œuvres. Jésus dit, même si tu ne croyais pas en moi, croyez à cause des œuvres. À cause. Non, c'est malicieux. Tu arrêtes sorcier. On y va beaucoup comme nous. Et toi, tes prières ne peuvent pas l'arrêter. De toi, lui, oui, et Dieu, avec Dieu. Si le magicien est plus fort, découvrez Jésus. C'est ce qu'il dit aux hommes, mais si son sorcier est fort, il n'y a pas à accepter Jésus. Alors, mais combien d'entendre? C'est qui est là? Non, il est magicien. Non, il est magicien. Oh, là, c'est bien, mais vas-y, ça dépend son entendement. Il peut bien écouter. C'est ce que Dieu fait. Amen, amen. Dieu n'est pas dans vos systèmes. L'église, tout ça. Dieu, c'est pas une question, c'est une question de vie. Pourquoi Dieu est puissant. Il est souverain. La vie qui est derrière la équipe. Ouais, c'est ouais, toi qui as mis ton bras sur ton truc. Oui, la vie, toi. Mais tu caches la déchet, toi, de toi, ça, c'est toi.
Oui, toi. Non, même, je ne t'ai pas demandé de. Parce que je n'aime pas chauffer. Je n'aime pas griller, je ne t'ai pas dit de se lever. J'ai demandé simplement. Oui, vous. Vous venez d'où? Hein? Hein? Vous bienvenue de Dabou ici. Il a pris au Dabou. Tout est quitté à Dabou. Et où Dabou? C'est pas prophète en terrasse. Moi, il faut bien quitter à Dabou. Voilà Dabou, c'est y fait. Sinon, il te fait manger les gravilles. Je n'aime pas humilier les gens. Et on parle pas, c'est bon. Mais je n'aime pas qu'on déçue la personne. Voilà. Oh, quand un sorcier vient ici, la première personne à attaquer, c'est le S'il vous plaît. Et l'essentiel. C'est que Jésus est Seigneur. C'est ce que vous voulez dire. Amen. Amen. Je sais pas, je connais pas un sorcier qui peut me tuer. Il n'est pas là. Amen. Amen. Je vais le finir une émission télé d'une heure, expression jeu. J'aurais dit, pardonnez-nous, demande pardon. Envoyez-moi à la rue un grand féticheur. Ou bien quelqu'un qui a un pouvoir magique. Fais la marche. On a déjà le cadre à la main. Ou bien Aziz 47. Bon, Aziz 47, à la main, mais face à face. C'est la main, c'est la main. Vous allez voir où est la puissance. Peut-être que. Amen. L'heure n'est plus à parler. On parle de l'heure. Mais regardez pas là. Moi, j'essaie de dire à moi. Amen. C'est pas une question de grâce. L'aujourd'hui, accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est fini. Et bien. Amen. Tu as le royaume de Dieu en toi. Tu as la vie, tu as la protection. Tu as la prospérité avec toi. Aucun sorcier vaincu ne pourra contre toi. Amen. Amen. Quand vous quittez à Dabou, venez bien ici. Ah ouais, Dabou, aïe, bien. Donne-moi le sac. Amen. Ici, j'ai vu un petit enfant qui quitter de trois villes. Et il y a l'autre pour moi. Et qui m'a trouvé à Zaroko. Eh, hey, oh, il a dit beau. Il dit, il veut laisser, il mange l'homme. Oh, moi, il est con. Il veut laisser. Encore pour vous dire. Quel petit, il mange, il mange. Il est, oh, moi, il a éclaté la nuit. Encore pour dire, oui. J'ai dit aux gens, si c'est parce que le diable vous met dans une certaine ignorance, sorcellerie, vous jouez à la sorcellerie. Or, je disais aux gens, on préparait une émission télé, je leur ai dit, le jour d'aller comprendre que le problème de la sorcellerie est plus terrible que l'Ebola, chaque jour vous allez faire une émission comme ça. Vous allez répéter, et il y a un Ebola, vous allez voir un Ebola. Est-ce que ça existe? Et quoi? Où? Amen. Ça existe. J'ai posé avec un juge cette semaine. Et le juge veut dire bien, mais il y a un. À Divo. Parce que les gens souvent prennent les sorciers. Que les gens cherchent à incarcérer, on les envoie chez nous pour les délivrer. Parce qu'un prisonnier même en prison, un sorcier en prison, ça ne résout rien. Et ne sait pas, on est le gars. C'est vrai qu'on condamne la pratique. Parce qu'il a tué, il a fait ça. Ok. Mais ça ne le délivre pas. Mais ça le délivre. Amen. Donc je causais avec lui. Et puis il m'a dit, on vient de recevoir un dossier. Où on a attrapé un jeune homme. Et qui a violé une femme. On m'a dit, dans une plantation de l'Espagne Ebeya. Et puis qu'il a tué après. Et la gendarmerie l'a arrêté. Une semaine après, les sorciers ont commencé à parler. Vous dites, en réalité, ce n'est pas le jeune qui a fait. La dame dit, c'est elle qui est rentrée dans le jeu. Il a violé. Non, il a tué. Le jeune dit, c'est même plus ce qu'il a. Oh, il m'a dit, oh, les sorciers peuvent t'imposer une vie. Et ils ont vu la pratique, mettre, la tuer. Mais en réalité, c'est une autre personne. Il veut s'incarner en lui. Pour commettre ça.
Il dit, tu as vu? Oh, yeah. Amen. Yeah. Vous comprenez? Cet homme est sérieux. Tu as une belle vie, on peut t'imposer la prostitution. Et il a dit, on vient te donner une maladie. Et les gens jouaient ça pour des enfants. C'est tellement sérieux. Trop sérieux. Chaque minute, les sorciers tuent. Ils ont demandé, écoutez, est-ce que c'est parce que tu es sorcier que tu attrapes sorcier? Je leur ai dit, vous cherchez à connaître la définition des mots. Quand on dit sorcellerie, vous cherchez d'abord à savoir qu'est-ce qui c'est avant d'attribuer ça à quelqu'un. Or, la sorcellerie, la définition, celui qui lance un mauvais sort. Vous ne pouvez pas trouver ça à tout le monde. Or, celui qui détruit un sorcier ne peut pas être sorcier puisqu'il lance pas un sort. C'est comme de dire quelqu'un qui a trois bandits, il est bandit. Quelqu'un qui a trois voulets, il est voulet. Même si les pays, il se déguise en bandit, mais ça veut dire qu'il est bandit. Non, c'est ça le rang du diable. Ah, c'est parce qu'il est sorcier qu'il attrape sorcier. Non, on ne peut pas être sorcier à travers sorcier. Non, pourquoi non. Forcément, il condamne la pratique du fétichisme et marital parce que ça connaît les sorciers. Amen. Forcément, il condamne les pratiques occultes, le cultisme. Les pratiques occultes, quand on parle de pratiques occultes, ça veut dire ce qui est dans le noir, tout ce qui est noir. Mystique. Oh, l'évangile est sabbat de vérité. Et nos jeunes gens s'adonnent à ça aujourd'hui. Pour avoir la gloire. C'est pour combien de temps? À cause de ces pratiques, les gens vont tuer les enfants, tuer des gens, parce qu'on a envie d'avoir la gloire. Oh, derrière ces choses, il y a le châtiment de Dieu. Ces pratiques mystiques, il y a le diable derrière. À la vie dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est la baptise, travaille en vain. Il ne faut jamais envier la richesse de quelqu'un. On n'est pas la source de sa richesse. Il ne faut pas envier. Oh, c'est l'erreur des gens. Mais le quoi, il y a quand même. Écoutez aujourd'hui, je ne suis pas contre le coupé décalé. Mais depuis que ce système est venu, mais c'est devenu grave la catastrophe. On veut se faire voir. Le travaillement. On travaille sur les gens. Il faut aller voir les pratiques mystiques. On a l'argent. Aujourd'hui, les gens se plaignent parce qu'on tue les gens. C'est ce qu'ils disaient aux gens de la télé. Arrêtez de faire la promotion des pécheurs. Arrêtez de faire des gens, devenez souffrés. Vous devez permettre aux hommes de Dieu d'annoncer l'évangile, d'annoncer la parole de Dieu. Or, quand une personne a la crainte de Dieu, il sera difficile pour cette personne de détruire l'être humain. L'être humain crée à l'image de Dieu. Nous devons respecter l'ordre. C'est pour ça que la Bible dit, tu aimeras ton prochain par toi-même. Et Jésus nous a enseigné l'amour. Même étant la croix, il a pardonné à ses ennemis. C'est pour ça que l'Église doit pratiquer l'amour. Nous nous délivrons les sorciers. Nous avons vu Mardoché délivré. Aujourd'hui, il est devenu évangéliste. Même s'il chasse des mots en baoulés, c'est bon. Oh, capitaine, mais fidez. Il nous a dit de lui, ouais, c'est ce qu'il dit aux gens. Mais la Bible dit, quand un pécheur se répand, le royaume de Dieu est dans la joie. Okay, nous avons redevenu un élément du diable. Fais de lui un évangéliste. C'est une victoire. Le cœur de Dieu. Amen. Or, dans d'autres religions, on ne veut même pas entendre parler. Il faut le tuer. Il est sorti, c'est fini, Dieu. Amen. Il y avait un petit de Gogo Bro, son père est policier. Après ses affaires,
Les gens ne voulaient même plus. Je l'ai maintenu pendant une année. Je me suis occupé de lui. Nourriture, habillement. Jusqu'à ce que son père le prenne, j'ai dit à son papa, amène-le à l'école. C'est ça le ministère. Nous nous apportons la vie autour de nous. C'est ça notre ministère. Alléluia. Junior, elle est là? Non? Il a dit quoi? Junior, il est venu. Ouais, il y a une soeur. Il a fait un don à Junior. Mais bon, on est Junior. Il a parfum, il a dit, ah, comment tu peux te parfum ici? Parfum pour lui. Elle a fait un don, il y a parfum. Parfum, il y a monte. Parfum, monte, il y a monte. Parfum. Mon Dieu, parfait. Regarde pour le bon. Il permet à son jeune homme d'avoir goût à la vie. Or, depuis un moment, ses parents l'ont rejeté. Et j'ai commencé à m'occuper de lui. Et l'année prochaine, il va retourner à l'école. Il va partir à l'école. Ça serait un témoignage puissant. Et regarde la vie. Parti de la sorcellerie, et puis devenir quelqu'un de puissant. Ce sont des témoins que nous préparons dans le futur. Il y a aussi une sorcière chez moi à la maison. On l'a même condamné 5 ans d'emprisonnement. Dominique, on l'a encore. Elle interdit le séjour dans son village. Je l'ai recueilli chez moi. Je suis allé avec elle voir le juge qui l'avait condamné. J'ai dit, voici la nouvelle vie de Dominique aujourd'hui. Or, l'église ne doit pas faire de procès des gens. L'église doit délivrer les gens. Or, dans d'autres milieux religieux, on fait des procès. Lui, là, il n'a jamais changé. Qui m'a dit ça? Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, pour les pécheurs. Et le juge était tellement content. J'ai dit, moi, je suis en train de tout faire. J'ai dit, il y a une famille d'accueil. Et il y avait quoi? J'ai déjà une famille d'accueil. Ah, oui, oui, oui. Je vais l'amener d'ici à la ville. Les gens vont oublier son histoire encore du bois. Et après 10 ans, on va revenir. Si quoi, ça serait un témoignage. Dis amen, ça serait un témoignage. Nous nous préparons les témoignages, nous prenons des champions. Nous prenons les sorciers, les gens qui sont bizarres. Jésus a vu des hommes bizarres. Mais tu as les criminels spirituels. Fais de les champions. Amen. Alléluia. Faut ouvrir le truc. Allez, vas-y. J'ignore ce qu'elle a pas fait. Voilà, elle a donné un t-shirt. Il y a brosse à dents. Vous brossez un peu. La petite fille mangeait en bas. Vous enlevez ça dedans. La fille mangeait, mangeait là. C'est la même réaction que j'ai eue. Vous avez dit, hein, non? C'est la même réaction que j'ai eue. Ah, la chignon, parfait. Dis-moi, non. Elle dit, il faut que c'est là, parce que son corps, on est très, on est très, il y a dame. Il va se laver. Il dit, il va se laver, hein, il va se laver là. Faut qu'il se lave. Il y a ce t-shirt. Regardez ça. Junior. Vous m'aimiez. Ah vous m'aimiez, qui vous m'aimiez. Ah oui, bien. Qui est-ce que je suis? Oui. Ah, non, 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 Kadi. Voilà, merci Kadi. Pourquoi? Elle est policière, elle est soeur. Elle est de la police. Oui, c'est là, non. Elle est secrétaire, mais je ne dis pas où, de quel ministre, je ne dis pas. Elle est pas de elle nous soutient dans le ministère. Elle a vu le travail, tout ça. Oh, oui, oui.
elle est une soeur catholique, elle n'est pas évangélique, elle est elle suivait un sujet sans internet, elle est venue se freiner. C'est une réalité. Moi, elle m'a surpris avec les dons. Non, c'est pas pour faire la promotion de la sorcellerie. Non. C'est pour aider les gens en difficulté. Nous le faisons pour aider Junior. Parce que s'il était pris en charge par ses parents, ça n'est pas nous trop nous intéresser. Il a été vraiment abandonné. On a décidé de l'aider. Mais on dit que nous autres, nous ne tuons pas les insorciers. Nous sommes en train de goût à la vie. Amen. Or, dans d'autres religions, dans d'autres coins, il est sorcier, c'est fini. Il va mourir de faim. Parce qu'il a trop mangé les gens. Pourquoi on doit s'occuper de lui? Or, l'église va porter la vie. On dit amen. Voilà, que Dieu bénisse. Si vous avez des sorciers, amenez-les, on les délivrer. Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas tout rester longtemps. Parce que la journée est mouvementée. À partir des 10h. Parce que souvent les gens viennent et ne les reçoivent pas, c'est pas bon. 10h, la réception commence à Divo. On recevra tout le monde. Moi j'ai passé toute la journée au cabinet aujourd'hui, ce matin, pour vous recevoir. Et à 20h, nous aurons ce qu'on appelle le culte de samedi. Un enseignement sur la Pâque. À 16h, il doit servir des baptêmes. Et demain, il y a un concert géant, un concert dîner. J'ai invité mes filles, j'allais. Des enfants spirituels, même s'ils sont des comédiens, c'est Madame Campbell, c'est Félicia. Je les ai invités pour égayer la population. C'est une première édition. Nous avons créé ce qu'on appelle le village de la Pâque. Or, évoquer l'église et les concepts. L'église doit avoir des concepts de show pour attirer les gens. On me posait la question si la télé, une journaliste me dit, mais pourquoi vous allez fêter dans un match? C'est païen. Alors elle dit.